et les instants privilégiés Hot Mix Radio avec Aoum. Le question-réponse. Quel est votre groupe ou artiste préféré? Moi, Lord Esperanza. Moi, en ce moment, c'est Dua Lipa. Moi, en ce moment, c'est Red Rose. Très bien. Votre titre préféré de tous les temps? Ou du moment, si c'est trop compliqué? Là, ce qui a été mon titre, en tout cas, ces derniers, c'est One Kiss de Dua Lipa. Ça a été mon titre de l'été. Comme beaucoup. Un de ceux que j'ai plus écouté cet été, c'était Get Somewhere de Dirty Heads. Ok. Moi, il y en a tellement. En ce moment, j'écoute beaucoup. C'est la toute nouvelle de DJ Snake, Cardi B. Taki. Ouais, c'est ça. Taki. Je l'adore. Le premier album que vous ayez acheté avec votre propre argent. Laurie. C'était les Spice Girls. Moi, j'en ai jamais acheté, je crois. Non. C'est vrai? Non. Non, même pas. J'avais pas d'album de. Non, c'est vrai que bah, disons qu'elle, vu qu'elles sont plus jeunes, elles ont le CD digital. Ouais. On en avait juste acheté un pour notre. On avait un MP3. Ouais, nous, on avait un MP3. C'était. Non, mais moi, l'album que j'ai acheté, bon, c'était pour un cadeau, mais. c'était celui de Coldplay. Très bien. Est-ce qu'il y a un artiste que vous avez vu en live et qui vous a vraiment impressionné? Imagine Dragons. Ouais, pareil. Pareil. Très bien. Quelqu'un que vous n'avez pas encore vu et que vous aimeriez vraiment voir? Queen Bee. Vous l'avez raté, cette bon, dans le dial, ce serait Beyoncé. Voilà. Moi, c'est Ed Sheeran. Ah ouais. C'est un artiste que j'admire tellement, enfin qu'on admire aussi tellement. Je crois qu'il passe bientôt l'année prochaine, je crois qu'il a rajouté des dates. Donc, on va se renseigner sur le sujet. Moi, j'aimerais voir. Franchement, des artistes américains du style. C'est le spectacle qu'ils font qui te fait rêver? C'est quand même la compétence vocale, c'est ça. Rihanna, des trucs comme ça, j'adorerais voir. C'est du spectacle aussi. Ouais, oui, c'est clair, c'est du spectacle. Vous aimeriez des grandes scènes comme ça, avec des feux d'artifice. Avec des scènes de dingue, des trucs au-dessus des gens, sauter. Yeah. Ça, c'est faisable même dans les petites salles. Hein. Je pense que tu peux y arriver. Tu vois, avec des suspensions, des trucs de ouf, quoi. Est-ce qu'il y a un objet, à part votre téléphone, que vous emmenez partout avec vous? Mon doudou. que j'emmène partout. Ma trousse à maquillage. C'est vrai, je vais dire ma trousse à maquillage. Ça marche, hein. Moi. Bon, j'emmène beaucoup moins doudou, mais. Non, moi, ce que. Mais, j'emmène... mais j'ai tout le temps du gel pour les mains. Ah, très bien. Vrai. Très bien. Est-ce que vous avez un porte-bonheur? Non. Moi, j'ai pas de porte-bonheur. Non. Non. Vous êtes pas superstitieuse? Non. 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 Est-ce que vous avez un rituel avant de monter sur scène? Le peu de fois où on a été ensemble sur scène. Faire les folles. Ouais, déjà, je pense qu'on a un excès de folie. Ouais. On se défoule. Et je pense que. Moi, je sais que bah, la dernière fois, on se prenait. Fallait se toucher, on se serrait fort. Être gênante. On peut le voir dans le making-of du clip, d'ailleurs, avec des magnifiques danses. Hein. Faire des trucs bizarres. Et encore, on ne voit pas tout. Hein. Il y a un certain contrôle sur l'image, quand même. Et dernière question, donc là, vous continuez vos études. Si plus tard, la musique ne marche pas, ce que je ne vous souhaite pas, quel métier vous aimeriez faire? Moi, j'ai arrêté mes études. J'ai fait 2 ans au conservatoire de théâtre. Et là, pour moi, c'est la musique. J'y mettrai tout mon cœur. Et franchement, si j'ai pas la musique, moi, j'ai aussi comme passion le théâtre et le cinéma. Et ce que je continue de travailler aussi pour moi-même en même temps. Et si j'ai pas ça, je suis foutue. Moi, j'aimerais bien travailler dans le management de grands produits de luxe. D'accord. Moi,
Il y a deux métiers qui m'intéressent, c'est hyper banal. Ce serait agent immobilier ou avocate. Très bien, c'est pas trop la même direction, mais très bien. Bah, je fais les études pour ça. Pour ça. Ouais. Bon, bah, très bien.